Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va super, super bien. Bienvenue à une autre de mes revues de bière. Avant de commencer par le bois de la bière, je veux dire un super, super gros merci à M. Jonathan Roy, le jaseur de Brain Jaseur Podcast. Il est passé ici, je pense quelques jours passés, il m'a droppé des cadeaux comme... Il m'a tellement gâté, là, c'est incroyable. Numéro 1, il m'a droppé un super gros t-shirt. Si vous en voulez, rendez-vous en contact avec Jonathan sur Brain Jaseur Podcast. Il les vend, je crois, c'est 25$. Des super beaux t-shirts. Il y a le hashtag Jaseur en arrière. C'est vraiment amazing. Puis, en plus de ça, il m'a amené tellement de choses. Je sais pas où commencer. Il m'a amené une tasse pour mon café le matin avec mon logo dessus. Il m'a amené des coasters personnalisés. Red-headed beer guy. Tu pars meilleur que ça, là. Vraiment amazing, là. Ok, t'as une minute. Il y a d'autres choses. Il m'a amené un stamp. Qu'est-ce qu'il va avoir un stamp? Comment plus officiel que tu peux être que tu as ton propre stamp? Tu sais, disons, je suis comme rendu une business à ce temps. J'ai mon propre étant. Mais, vraiment gâté. Gâté pourri. J'ai mon sleeve personnalisé pour garder mes cannes frettes durant l'hiver. Durant l'été, je devrais dire. Vraiment cool. J'ai mon sac pour aller faire la grosserie. Incroyable. Gâté. Là, j'ai mon sac à lunch. Puis j'ai comme salé un petit peu. J'ai honte de le montrer parce que j'ai utilisé cette semaine wide open. Vraiment, vraiment awesome. Super beau sac. Ça se ramasse de même. Incroyable, gros. Gros merci à Jonathan. J'ai eu un verre. Un autre chose personnalisé. Vraiment, vraiment cool. Super, super awesome. Puis, pour faire ça... Vraiment, top ça off, là. J'ai eu mon propre ouvre-bouteille. Personnalisé, Redheaded Beer Guy. Un super, super gros merci à Jonathan Brent Jaseur Podcast. Allez le suivre sur Facebook, YouTube, Patreon. Devenez membre de son ami de Jaseur. Vraiment un bon gars, vraiment un bon Jaseur. Il y a vraiment des bonnes choses à parler de. Super comique. Fait que faites sûr d'aller le trouver tout de suite. Fait un gros merci à Jonathan d'avoir réuni... amener tous ces cadeaux au site, c'est sûr que je t'en dois une, sûr et certain. Puis on est définitivement dû pour une jasette très 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 bientôt. Bon, avant qu'on commence encore sur la bière, je vais dire un petit merci à mes sponsors. Un gros merci à Bootlegger qui sont très gros supporters. Puis en parlant de Bootlegger, juste en face de là, je m'en vais chez Caféine demain. Ok, ce site va air vendredi, so je m'en vais là aujourd'hui. On va espérer que ce site va sortir vendredi. Je m'en vais là ce vendredi, le 3 mai. Faire une petite revue sur quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est vraiment hors de l'ordinaire, fait que reste à l'écoute, c'est vraiment intéressant. Puis là, ensuite, un gros merci à Mathieu Roy de Bass Attack Fishing. C'est sûr que ça s'en vient très 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 bientôt. La glace est complètement partie. Les kayaks sont quasiment prêts pour y aller. Moi, j'ai vraiment hâte de me ressortir en kayak. Fait que c'est vraiment... Ça s'en vient très, 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 très rapidement. Dans la baie des chaleurs, ils m'ont pogné du beau bass cette année. Puis, c'est sûr que Mathieu va venir faire un tour ici. Puis, il va tout vous expliquer ce qu'ils offront comme service avec Bass Attack Fishing. Fait que un super gros merci à mes commanditaires. Merci, merci beaucoup. J'apprécie très très fort l'amour. Puis aussi à mes auditeurs, tous ceux que je peux interagir avec, tous ceux qui regardent mes vidéos, vous likez ça. Même si vous les likez pas, juste gardez les vidéos. Merci, merci, merci. J'apprécie bien ça. Si vous avez des bières que vous aimeriez que je goûterais, laissez-moi savoir. Je suis ouvert à absolument n'importe quoi. J'adore des discussions, j'aime ça parler avec le monde. Fait que contactez-moi, j'aime ça parler avec vous autres. Alright, fait là, on fait une petite tournée à l'autre bord de la baie des chaleurs. En gaz. Excusez-moi. J'ai malheureusement pas débarrassé ma grippe encore. J'ai pas assez bu de bière. En tout cas, comme que je disais, on s'en va à l'autre bord de la baie des chaleurs à Carleton-sur-Mer, à microbrasserie Le Naufrageur. Avant qu'on commence à parler de la microbrasserie Le Naufrageur, déjà que j'ai déjà parlé de la microbrasserie Le Naufrageur, c'est une incroyable brasserie. J'adore leur bière. Je la bois assez régulièrement. C'est super, super de bonne bière. Il y a un goût unique à leur bière. Dernièrement, il y a des nouveautés qui sortent. C'est vraiment incroyable. Comme j'en reviens pas en tout des nouveautés qui sortent avec. De choses qui avions avant, on dirait. C'est fou. Ils en sortent à quasiment toutes les semaines. Fait là, je vais parler un petit peu about Carleton. Parce que Carleton sur mer...
C'est vraiment, c'est comme moi, c'est mon petit paradis de vacances. C'est vraiment une place que j'adore aller. Si tu veux me faire un cadeau, dis-moi comme en bas de ton char, puis va-t'en à Carleton-sur-Mer pour 2 jours. C'est vraiment, j'adore aller à cette place-là. C'est tellement une belle petite ville. C'est paisible. Il y a assez de belles choses qui se passent là. C'est vraiment, on dirait, il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent à cette ville-là à toutes les années que j'y vais. Fait que vraiment, vraiment plaisant. J'adore ça. C'est vraiment pas loin. Comme si vous restez la région de Bathurst, c'est à peu près, je sais pas moi, 2 heures d'ici. C'est 1 heure et quart de Campbellton. C'est vraiment pas loin. J'adore ça. C'est une belle drive en montant. En parlant de ça, je vais faire comme un drive-by dans Carleton. Quand j'arrive à Carleton, qu'est-ce que tu vas voir? Je vais espérer que je vais rien oublier. C'est sûr que je n'en laisse en arrière. Mais en tout cas, on va faire comme si on rentre dans la ville de Carleton. Pour le monde qui a jamais été là-bas, c'est vraiment absolument incroyable. Et quand tu arrives là, doit être avant que tu arrives à la ville, t'as un petit chemin à la gauche, il y a un club de skidoo qui est là. Vous pouvez rentrer là-dedans, il y a des sentiers pédestres, des super de belles chutes, vraiment des belles opportunités pour prendre des photos. Puis il y a vraiment un beau réseau de sentiers à Carleton-sur-Mer, vraiment incroyable. Vraiment des beaux sentiers, des beaux boardwalks, des belles escaliers qui montent partout, ça fait des super belles photos. Si vous allez là-bas, posez vos bières, posez vos blondes, super de belles places à y aller, c'est des belles excursions. Des belles places à faire du bicycle, vraiment vraiment incroyable. Fait là on continue, on rentre dans la ville. Je suis rentré dans la ville, il y a une belle place, une super 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 de belle plage, vraiment vraiment beau. Ça, durant l'été, ça boom au bout, c'est plein de monde. J'adore cette place là. Après ça, on continue à rentrer dans la ville. On a la charmante cantine. Pour quelque raison ou non, je peux pas me rappeler du nom de cette cantine là, mais je sais que depuis que je suis Ça de grand, j'aimerais dire, que c'est là où je vais pour des poutines. C'est vraiment, c'est mes poutines préférées, c'est mon take-out. Si je vais à Carleton-sur-Mer, faut que j'aille manger une poutine à cette place-là. C'est une poutine, puis les crèmes glacées dippées au chocolat. Vraiment, vraiment bon, c'est super, super, super. C'est une belle petite cantine, bien simple. Les poutines sont to die for. Vraiment incroyable. Fait là, on continue, on dépasse la cantine. T'as la chaire Chop-sur-Mer. Vraiment mon magasin préféré de la Gaspésie. J'adore ce magasin-là. Propriétaire Christian est vraiment un super de bon gars. Il connaît tellement son stuff quand ça vient à la bière. Puis, c'est pas juste la bière qu'il vend là-dedans. Tu rentres là-dedans, puis tout de suite, tu sens les pretzels. Vraiment, c'est les meilleurs pretzels sur la côte gaspésienne au complet. Vraiment incroyable. Fait ça, c'est des pretzels qui sont faits là, sur place. Monsieur Christian Rivière, c'est lui qui est l'artiste des pretzels. Puis, il y a tout ça. Il y a d'autres produits qui sont faits... dans la région, les produits locaux, il y a du café, il y a du chocolat, en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires. En surplus d'avoir une sélection de bières artisanales du Québec, vraiment tellement incroyable. Il y a un petit peu de tout. C'est sûr que la bière de la Gaspésie, elle est là à plein, à fond. Bien la bière de partout au Québec, c'est vraiment incroyable. Vous cherchez des bières rares, allez là, c'est vraiment un super beau magasin. Ensuite, on sort de Chop-sur-Mer. On continue un petit peu, à la gauche encore, t'as le café La Mie Véritable. Super beau café, super beau beau spot là. La Mie d'en haut, vraiment une belle place pour prendre un café, prendre un petit sandwich. Moi j'adore arrêter là. Super de beau spot, belle petite pâtisserie en bas. Deuxième étage, t'as un balcon, t'as assis par-dessus le chemin. Vraiment, les vues sont absolument incroyables. Tu regardes la baie des Chaleurs. C'est vraiment wonderful. Tu peux pas demander mieux que ça. Super de beaux cafés là. Fait là, on continue. Puis je pense que juste après ça, entre ça et Naufrageur, si je me trompe pas, il y a une savonnerie. J'espère que le monde à la Gaspésie, le Carleton-sur-Mer, vous allez me corriger. Corrigez-moi si j'ai oublié des choses, parce que c'est sûr, certainement, je l'en oublie. Il y a assez de choses qui se passent ce chemin-là. C'est vraiment incroyable. C'est tellement une belle ville. J'adore ça, aller là. Fait que là, c'est ça, il y a la savonnerie, j'ai jamais été là, mais de ce que je peux entendre, mes parents ont été quelques fois. C'est vraiment une belle petite savonnerie, des beaux produits locaux. Si je me trompe pas, c'est ça qui est là. Ensuite, la charmante brasserie Naufrageur. Vraiment une incroyable belle place, super belle ambiance, grosse porte de garage qui s'ouvre. Le staff qui est là sont vraiment très 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 connaissants de leurs produits. Si tu vas là, tu veux te faire expliquer qu'est-ce qui est leur bière, c'est quoi les ingrédients. C'est quoi ce que tu vois, qu'est-ce qui va ressortir de la bière, quoi manger avec la bière. Vraiment un staff incroyable. C'est vraiment une belle place, il y a une belle terrasse dehors. Quand t'es assis là, t'es en vacances, t'es tellement bien, il y a du bon manger là.
Puis sur le fait de tout ça, il y a le marché à côté. Il y a plusieurs portes de garage, puis ils vendent, c'est sûr, ils vendent leurs verres, leurs bouteilles pour sortir, les growlers, et ainsi de suite. Puis ils vendent plein de choses, et des t-shirts, puis des chandails, puis plein d'autres choses comme ça. Il y a plein de produits locaux qui se vendent là. Fait, c'est vraiment, vraiment intéressant. Super beau spot. C'est tout comme coincé ensemble. J'adore assister à cette place-là. C'est vraiment incroyable. Fait là, on continue en bas du chemin. C'est sûr, il y a plein d'auberges que vous restez, des bed and breakfast, plein de choses comme ça, qui continuent au bout du chemin, au long du chemin. Puis moi, quand je vais à Carlton, je vais toujours camper. Je vais camper au camping du village. Fait que si tu continues à peu près, disons, un kilomètre du naufrageur, t'as le camping du village à Carlton sur mer. Ça sort sur une péninsule. C'est, pour moi, c'est comme vous suivez le thème, là, c'est mon camping préféré. J'adore aller là. De un, t'as pas de moustiques. Il n'y a pas en tout. Zéro, zéro, zilch. Il n'y a pas un bzzz qui se passe là quand t'es là. Il n'y a rien en tout. T'es en paix. En paix, en paix. Vraiment un super gros camping. C'est une grosse péninsule. C'est le bord de la mer. Il y a un sentier pour faire du bicycle ou du rollblade en pavé le long de la péninsule. C'est incroyable. Il y a une lighthouse au bout du chemin. Belle grosse plage. Puis en parlant de bass, de bass attack fishing, tu vois le monde pêcher de bass. C'est plein de bords rayés là-bas. Fait que si jamais tu vas camper à Carlton-sur-Mer, au camping du village, arrête, pogne-toi une poutine, oublie pas ta canne à pêche, va sur le naufrageur, pogne-toi de la bière en masse, puis pogne-toi de quoi manger, puis un bon verre de bière, puis sur sa terrasse. Ensuite, tu peux aller pogner un café à la mi véritable, puis c'est sûr, pogne-toi une petite pâtisserie, puis ensuite, rentre-toi au camping, avec ta canne à pêche, pogne-toi un bon site, c'est sûr, faut réserver d'avance, puis enjoy ta vacance. C'est une super, super de belle place, un beau petit village. J'adore ça aller là. Si je pourrais aller là au moins 10 fois par année, que je pense que je fais quasiment, j'adore ça, cette place-là. C'est vraiment, vraiment une belle place. T'as tout ce que t'as besoin. C'est vraiment incroyable. Je peux pas en parler plus sur cette ville-là. J'adore Carlton-sur-Mer. Fait que, un gros merci à Carlton-sur-Mer pour être ce que vous êtes. Vous avez tellement de choses que j'aime. J'ai vraiment hâte de retourner vous trouver très, très, très bientôt. L'été s'en vient, fait que c'est sûr et certain que je vais me rendre là très bientôt. Puis j'encourage tout le monde d'aller visiter Carlton-sur-Mer au moins une fois. Vous avez pas rien à piquer, c'est garanti. C'est une place paisible, il y a plein de choses à voir. Il y a plein d'excursions là, sur le bord de la plage. C'est super, super, super. Puis il n'y a pas de maringouin. Il n'y a pas. Ensuite, zéro. Fait que enjoy ça. Sur là, j'ai 3 bières ici du naufrageur. C'est sûr que c'est pas leurs bières qui sortent des nouveautés aux semaines. C'est des bières qui sont vraiment facilement... qui sont pas dures à avoir. Fait que pour ceux qui sont... Ils n'ont jamais goûté naufrageur. Puis, en tout cas, ils sont disponibles à quelques points de vente. Ils sont pas durs à trouver. C'est comme genre de leur core line-up. Fait que j'ai vraiment excité d'en essayer une. La Cotrial, je l'ai sûrement goûté longtemps passé. Je m'en rappelle pas qu'est-ce que c'est qu'elle goûte comme. Fait, j'ai vraiment hâte de la goûter. Puis aussi, j'ai une IPA 7 qui est faite avec du thé du Labrador. On appelle ça le IPA thé du Labrador, série Ale Amérindienne. Fait que c'est les séries Ale Amérindienne, c'est des bières qui sont faites avec beaucoup de produits locaux. Ils showcasent beaucoup les produits qui viennent de la Gaspésie, qui viennent de la région. Fait, c'est vraiment des bières qui ont un goût local unique. Vraiment, vraiment plaisant. J'ai goûté la semaine passée, superbement bonne. Vraiment intéressant. Puis aussi, on a la Cher Leon Site, la blanche. Vraiment une bonne bière. Vraiment une belle photo du fantôme, du bateau fantôme. Incroyable. Puis vous allez apercevoir qu'avec le naufrageur, leur core line-up, c'est toutes des... Ben, leur core line-up, la plupart de leurs bières, ils ont toutes une histoire. C'est tout un navire. Fait que la Leon, il y a une histoire de navire qui va avec ça. La Cotrial, il y a une histoire qui va avec ça. C'est vraiment... Ils ont vraiment travaillé fort pour leur nom de bière. C'est vraiment incroyable, c'est intéressant d'aller prendre une bière là et juste se remplir la cervelle d'informations de la baie des Chaleurs. Nous autres, on est bossés de la baie des Chaleurs, ils sont juste au bord, on partage les mêmes histoires, c'est vraiment intéressant d'aller là-bas. En tout cas, allez-y, je peux pas vous dire plus que ça. Fait que là, on va voir quoi sur le site. La Côte Réal, c'est une pale ale à mono-houblon, houblonnée à mosaïque seulement. Allez, on teste ouf bouteille la première fois, il a marché très très bien. Fait encore un gros merci à Jonathan de Brain Josette Podcast. On représente Brain Josette. Hein? Brain Josette. Et là, on va mettre ça dans le beau verre de Jim Line. Un gros merci à Jim Line
Si vous cherchez à vous faire printer des verres, vous appartenez à un bar ou un restaurant ou une brasserie, ou faire des beurres, des verres customisés, rendez-vous en contact avec Jim Line. Ils printent sur des verres, sur des growlers. Vraiment, vraiment une belle job. Des beaux verres pour ça. Super. Vraiment une belle couleur. Couleur dorée, pas trop foncée. Une belle tête. Mon nez est encore bouché un peu de la grippe, là. On va essayer de pogner un petit peu de l'arôme. Ouais, un arôme fruité. Floral un peu. Floral, je trouve ça, c'est vraiment unique au naufrageur. Super de bel arôme. J'ai hâte de goûter. Super de bon pale ale. Smooth. Les fruits au devant, c'est sûr. Avec des mosaïques. Un beau fini, amertume très basse, très approchable, vraiment une bonne bière de l'été. Si vous n'êtes pas trop aventureux dans les bières artisanales, vraiment une bonne bière à commencer avec. C'est une pale ale qui est vraiment pas trop corsée, super de beau goût. C'est une bière bio, organique, superbement belle. Une belle, un beau mouthfeel, super, super, super. Oui, vraiment, c'est vraiment les goûts qui sortent avec le naufrageur, c'est vraiment les goûts qui sont différents de ce qu'on est habitué, de que moi je suis habitué de goûter au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment différent, il y a plus de notes florales dans la bière, c'est vraiment super, c'est complexe, vraiment vraiment bon. Je vous conseille très fortement de vous rendre à Carleton-sur-Mer, faites un pit stop chez Shop-sur-Mer, c'est sûr et certain. Ensuite, juste au bord, c'est le naufrageur. Ils ont l'incroyable de bonnes bières. Ils ont plusieurs bières on tap. Fait que, puis du bon mangeur pour ça. Fait que, cheers, puis à la prochaine. Super de bonne bière. Faut moi 500 ml. Tu peux pas m'aller mieux que ça. Incroyable. Cheers.